Voilà, viens un peu vers moi, tac, un peu de frein des deux côtés, et tu cours, mais jusqu'au bout, sur la ventrale. Ah bah mieux. Ok. Voilà, tu gardes un contact avec ta voile, tu me confirmes quand t'es bien assis. Génial. Voilà, attends là, elle arrive. Hop, hop, alors attends, freine. Monte encore, 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 elle arrive. Hop, relève un peu les mains, relève les mains. Voilà, et avance. On y va vers l'avant, encore, 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 encore. Et ça vole. Tu t'assois, tu me confirmes quand t'es bien installé. Ok, parfait. Ok, on garde un contact avec la voile, Gaëlle. Voilà, viens un peu dessous, tac, un peu de frein, et tu peux accélérer en remontant doucement les mains, encore, encore. Voilà, relève la main gauche, relève la main gauche, voilà. C'est toi qui te fais embarquer à gauche, là. Ok, tu me confirmes quand t'es bien installé, Noélie. Ouais, parfait. Bon, ce coup-ci, on va pas lâcher les commandes, c'est pas la peine. Hein. Tu gardes un contact avec ta voile. Tac, attends, freine, freine, freine des deux côtés, freine des deux côtés. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, 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 reste freiné. À droite de la rivière, je veux pas... Voilà, contact avec ta voile. Le nord forci, comme ça on n'est pas verrouillé. Tu te mets juste devant les arbres et tu longes. Voilà, reste comme ça. Voilà, tu restes vraiment à l'aplomb, prêt à avancer sur le terrain si c'est nécessaire. On utilise toute la largeur disponible. Voilà, tu passes un très légèrement devant les arbres en crabant sur la droite des sapins là. Tu vas te mettre devant les sapins. Mais on reste au fond de terrain là, tu vois, sur le petit terrain là, qui est avec le petit fil à vache. Regarde quand même le centre. On va revenir sur la gauche, mais en restant en étape de base. Tu fais un demi-tour si tu veux. Reviens à gauche encore. À gauche, reviens à gauche. Ah, trop tard. Tout droit comme ça, trop tard. Il faut que tu m'écoutes, Romain. C'est pas grave, on oublie, on se presse concentré, commence à freiner, reste comme ça, et à fond. Ah, là, je t'avais dit, l'étape de base, elle est au fond. Donc quand tu fais demi-tour et que tu me fais un quart de tour, tu rentres sur ton terrain, après on est mort, on peut plus revenir sur l'étape de base. C'est pas grave, c'était spécial. Mais bon, là, il faut vraiment que tu arrives la prochaine fois à essayer de matérialiser le truc. C'est normal que ce soit compliqué. Mais on en reparle quand t'es là. Voilà. On continue comme ça, tu vois, on regarde un peu régulièrement la manchère au milieu du terrain, mais bon, tu vois, la tendance est quand même bien installée, commence à revenir à gauche en étape de base. Allez, ouais. Tu vois, parfois les oreilles, c'est vraiment un avantage quand tu veux descendre sans te mettre la pression. Voilà, pas plus que ça, c'est bien. Quand je te le dirai, on lâchera, hein, comme ça on aura bien de la place, mais pour l'instant, si tu peux les garder, on les garde encore. Voilà, Noélie, on va faire un ou deux demi-tours par là-bas, toi. On est bien, c'est tranquille. On va relâcher les oreilles, Gaëlle, vas-y. Toi, ça descend un petit peu. On sait qu'on a... Voilà, comme ça, on laisse la voile bien revoler avant de... Et voilà, et t'as plus qu'à faire. T'as vraiment une chance incroyable parce que c'est bien face, là. Donc, évidemment, t'as encore à te mettre face au vent. Hein. C'est toi, c'est pas à moi de le faire. Voilà, pas plus que ça, c'est bien. Parce que devant, on est encore légèrement en nord. Pas plus que ça. Regarde loin devant toi. Et Noélie, on va faire un quart de tour à gauche. Te laisse pas dériver. À fond, à fond, à fond, à fond. C'est toi qui te fais dériver. C'est toi qui te fais... C'est dommage, il n'y a rien à faire, là. Voilà. Là, on va faire un ou deux S, ce sera nécessaire, je pense. Hein. Ça va se mettre à descendre, normalement, si c'est comme Gaël. Voilà, on rentre dans la zone un peu dégueulante, là, de l'étape de base. Mais on devra quand même, je pense, doubler l'étape de base. Hein. On reste bien au niveau de l'arbre, comme ça, on ne se fait pas surprendre. On va faire un petit quart de tour à gauche, c'est un peu... un demi-tour en fait, fais-moi un demi-tour à gauche. Voilà, on va retourner de l'autre côté de la rivière, c'était... Allez, 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 boucle bien. Allez, faut que ça tourne là, Emmanuel, voilà. N'aie pas peur, top, pas plus. Et top à droite maintenant, allez. Tout de suite à droite, voilà. Allez, allez, faut que ça tourne. Voilà, parfait. Encore, encore, encore. Tu vois, parce que là, on est quand on est face au vent, comme là maintenant, il y a le nord qui rentre, là, top, pas plus. Ok. On fait un quart de tour à gauche, on va... Alors, la rivière, c'est ton étape de base maintenant. Allez, quart de tour à gauche, et donc on posera de la rivière vers Mieuxcy. Top, pas plus, on reste à droite de la rivière, reste à droite de la rivière. Je veux pas te pouvoir passer de l'autre côté. Si le nord forci, comme ça, on n'est pas verrouillé. Mais tu te mets juste devant les arbres et tu longes sur la droite, et puis on reviendra à gauche quand je te le dirai. Allez, repars un petit peu sur la gauche. Repars un peu sur la gauche. Top, pas plus. On revient à droite maintenant. Allez, on va retourner vers l'arbre tout seul à droite. Allez, faut que ça tourne, Noélie. Allez,
Voilà, top, pas plus. Encore un petit, tout petit poil. Parfait. Voilà, nickel. Regarde à gauche. On revient légèrement à gauche. Voilà. Top, pas plus. On va pouvoir faire... Tu peux t'aligner, là. Allez, aligne-toi avant de te sortir de la sellette. Ouais, tu fais un petit peu les choses. C'est... Il y a beaucoup de choses, hein, ce matin, émotionnellement. Mais on reste quand même dans ce qu'on sait faire. Allez, aligne-toi d'abord. Voilà, top, pas plus. Et là, tu regardes loin devant. Si tu ne veux pas te voir dériver sur la gauche, commence à freiner et à fond. Voilà. Tu vois, le vent, il n'est pas comme d'habitude. Il te pousse à gauche. Mais c'est toi le pilote. Si tu vois que tu dérives à gauche, tu ne veux pas, hop, on repousse de l'autre côté. On reste en étape de base sur le fond de terrain qui est en fait notre vent arrière habituel. Voilà, tout droit comme ça. On va faire des grands allers-retours. Voilà, ça descend pas mal là. Tant mieux. Va pas sur la gauche de la rivière. Hein. Tu restes pile à l'aplomb. Ouais. Pourquoi tu retournes de ce côté-là? Retourne sur la gauche là, Bertrand. Je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé de rester à l'aplomb de la rivière. Et là, tu repars en étape de base de l'autre côté. Voilà, tout droit comme ça. Là, on est en étape de base, Bertrand. Mais tu restes à l'aplomb de la rivière. Commence à revenir à droite. Ne te verrouille pas du mauvais côté. Commence à revenir à droite. Voilà, top. Mais juste comme ça. Et là, tu repars à gauche. Voilà, top. À gauche. Là, tu es à droite. Là, c'est pas grave. Trop tard à droite. Allez, trop tard. Bertrand, on pose le truc. On m'écoute. Et après, on agit. Allez, à droite, quart de tour. Allez, à droite, quart de tour. Doucement, doucement. Je suis là, Bertrand. Allez, tout droit comme ça. Tout droit comme ça. Bertrand, tu fais pas tout droit, là. Allez, reviens à gauche, reviens à gauche, reviens à gauche, reviens à gauche. Top, pas plus. Top, pas plus. Voilà. Allez, à droite, maintenant. Doucement, doucement. Beaucoup de sellettes, tu mets pas du tout de sellettes. Tout droit comme ça. On avise, tout droit comme ça. Tout droit, on oublie le terrain normal. Tout droit comme ça. Attends, 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 à fond d'un coup, à fond. Reste à fond. Eh là, je veux plus jamais que tu me fasses ça, Bertrand. Plus jamais, je te dis, t'as improvisé. Tu n'écoutais pas ce que t'entendais juste gauche, droite. T'as le temps, on le dit au moins 5-10 secondes avant que tu puisses agir. C'est pas grave, on en parle quand t'es là, mais là, tu m'as fait une grosse frayeur quand même, là. Voilà, on passe vers la rivière. Et tu vois, quand tu vas arriver vers la rivière, tu commenceras déjà à partir à droite. Tu vois comment elle est la manchère au milieu du terrain, ou en tout cas celle du chemin. Elle vient vraiment du Pertuiset et elle va vers la rivière. Donc on posera en direction du Pertuiset. Donc on passe pas derrière la rivière simplement parce que si le vent forcissait, on ne veut pas être verrouillé derrière. Mais on est à l'aplomb parce qu'on ne veut pas venir au milieu du terrain. Là, tu viens au milieu du terrain, repars à gauche. Voilà, vraiment, je veux que tu sois à l'aplomb de la rivière. Pas des arbres du bord de la rivière, vraiment à l'aplomb de la rivière. Voilà. Nickel. Quand je te le dirai, on fera un demi-tour par la droite pour revenir toujours au-dessus de la rivière. Toujours on est là, on est en étape de base. Si tu veux, le prochain virage sera un quart de tour pour venir au milieu du terrain. Enfin, pas le prochain parce qu'on fera un demi-tour, mais on posera pour en quart de tour. Là, tu peux faire un demi-tour à droite. On reste en fond de terrain, tu vois. Voilà, encore, 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 encore. Vas-y, encore à droite. On reste en fond de terrain sur le petit stop, pas plus. Voilà, regarde vers ta gauche, mais on va pas à gauche. Tu regardes la cible, mais tu vas pas à gauche. On ne sait pas encore quand on va devoir descendre. Attends, et top, attends, 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 ça remonte, attends, attends, et top à gauche maintenant. Allez, doucement, doucement, mais à gauche quand même, voilà. Regarde, loin devant, on lève le regard. Et là, il n'y a plus qu'à poser, mais on reste concentré jusqu'au bout. Hein. Commence à freiner à fond, à fond. Ça te crache un peu parce qu'on est dans un petit peu dans un trou là quand même. Hein.